Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin exceptionnellement un jeudi parce que Théa ne pouvait pas autrement que le mardi, donc on se retrouve maintenant à la place du mardi pour une séance un petit peu particulière parce que, comme je vous avais dit pendant le premier confinement, en général les chakras jusque-là. C'est vrai que je n'utilisais pas trop les chakras, je ne travaillais pas trop sur les chakras. À part en Reiki, où j'avais l'habitude de travailler avec, mais sinon en visualisation, concrètement, à vrai dire, non. Et c'est vrai qu'en sophrologie, les chakras, on ne les utilise pas vraiment, pas en méditation en tous les cas. Alors, ce que j'ai décidé de faire quand même aujourd'hui, c'est de faire autrement, quand même, c'est de vous proposer une méditation que je trouve formidable sur la purification des chakras. Histoire à la fois de réveiller tout ça, de réaligner et que j'espère que vous sentiez bien afin de nettoyer des parties, vous qui ont besoin d'être nettoyées au niveau de vos centres énergétiques. Ça fait toujours du bien. Voilà. Oui, mes cheveux. Alors, ah, merci. Oh, Cécile, t'es géniale. Pourtant, je t'en ai pas parlé avant. Mais, transition formidable de la part de Cécile. Et je t'en remercie. Alors, à propos des cheveux. Oui, tu me dis, mes cheveux, c'est une yang. Oui, ça me va. J'ai reçu un livre formidable dont le titre est « Vos cheveux, miroir de votre âme. Découvrez les pouvoirs sacrés de vos cheveux et révélez votre intuition ». Alors, le nom, attention, Lila Riouri. Voilà, chez le Duc, ISO, ésotérisme. Alors, formidable, très intéressant, si vous posez des questions sur vos cheveux, par rapport à couleur, pas couleur, certains ou certaines pertes de cheveux, ou bien, écoutez, c'est très intéressant, ça parle du lien entre les cheveux et notre énergie, nos corps énergétiques. Voilà, rééquilibrez vos corps énergétiques et déployez votre intuition en choisissant les coupes, coiffures, couleurs et routines de lavage adaptées. Pratiquez des soins spirites pour fortifier vos cheveux et vous relier à votre essence sacrée, avec des pierres, intentions, huiles, etc. Réalisez un bilan de santé de vos cheveux pour évaluer votre énergie, épaisseur, densité, pellicule, sébum, chute. Sexy. Mais c'est la vie. Voilà. Et assez intéressant. Vraiment bien écrit, intéressant. Plein de petits tips, des petites recettes un peu magiques. Et puis, en tous les cas, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore la couverture. Je trouve la couverture extra. Autre chose aussi, alors je vais paraître un peu mémère sur ce coup-là, mais je m'en fous. Pour voir, parce que je suis assez curieuse, maintenant vous commencez à le savoir, j'ai acheté le magazine de Sophie d'avant. Alors, moi la couverture, je la trouve complètement cheap. Ils se sont inspirés a priori d'un magazine pareil de Oprah Winfrey, sauf qu'au lieu du S, il y a un O. Très girly comme ça, avec un rose. Je trouve ça un peu cucu après lui. Mais je me suis dit, bon, je vais voir quand même ce qu'il y a dedans. Et écoutez, j'ai été agréablement surprise. Je trouve ce magazine vraiment bien fait. Il y a des articles hyper intéressants, bien écrits. Sincèrement, je recommande. Ouais, le magazine S, donc S de Sophie d'avant. Vraiment très bien. Des articles très bien écrits, vraiment bien. Allez-y, foncez et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Sans transition, on enchaîne avec cette méditation sur les chakras. Alors, pour que vous en sachiez un peu plus, je vais vous les montrer, ces chakras, pour que vous puissiez un petit peu les situer et mieux visualiser et orienter en fonction des couleurs. Même si, pour la méditation que je vais vous proposer, vous n'en avez pas vraiment besoin. Ça, c'est juste pour votre connaissance personnelle. Alors, regardez. Vous avez tous les chakras. Alors, on a 7 centres énergétiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ça, ce sont les principaux. Il y en a beaucoup plus, mais ce sont les principaux, les plus connus et les plus faciles à visualiser et à imaginer. Donc, vous avez le chakra racine, qui est rouge. Ensuite, vous avez le chakra sacré, qui est orange. Chakra du plexus solaire, qui est jaune. Chakra du cœur. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas rouge. D'accord ? Ce n'est pas la couleur du cœur telle qu'on l'imagine, telle qu'on le dessinait quand on était enfant. Le chakra du cœur est vert. Ensuite, vous avez le chakra de la gorge. Chakra de la gorge est bleu turquoise, bleu très clair. Ensuite, vous avez le chakra du troisième œil. Troisième œil, c'est plutôt bleu foncé. C'est bleu intense. C'est un bleu très très profond, très intense. Et pour terminer, le chakra couronne, qui est juste là, et qui est violet. Un beau violet très puissant. Voilà. Voilà à peu près où se situent vos centres énergétiques. Et je vous en dirai plus au moment de la méditation. Et voilà. Alors, avant de faire cette purification des chakras par la visualisation, nous allons commencer par une petite méditation pour, d'une certaine façon, un peu tout nettoyer. On va tout nettoyer et après on passera chakra par chakra pour à la fois redynamiser et purifier. J'espère que ce programme vous convient. C'est parti. Et j'espère surtout que les travaux ne vont pas repartir là pendant la demi-heure qui va arriver. C'est j'en peux plus des travaux dans l'immeuble là, je n'en peux plus. Voilà, ça c'est dit. Je vous invite à vous installer confortablement. Alors, idéalement, mettez-vous assis sur une chaise. Sur une chaise, pas comme moi. Swiss ball, c'est un peu instable. Mais sur une chaise, le dos bien droit, les pieds à plat, les mains sur les cuisses. Prenez quelques instants pour sentir votre respiration. Observez votre souffle. L'air que vous inspirez, l'air que vous expirez. Descendez progressivement votre mental dans votre bassin afin de faciliter la respiration dans le ventre. Sentez votre ventre se gonfler, se déployer à l'inspire et se creuser, se relâcher à l'expire. Prenez le temps de sentir cette respiration dans le ventre, vraiment. Sentez progressivement votre tête, votre visage se détendre, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Votre poitrine, le haut de votre dos. Vous pouvez observer les battements de votre cœur dans votre poitrine. Comme un bercement calme et régulier. Votre poitrine et le haut de votre dos se détendent. Puis passez à votre abdomen et le bas de votre dos. Respirez et à chaque expiration, détendez, relâchez tout le bas de votre ventre et votre dos. À
inspirez, sur l'expiration, relâchez, détendez votre bassin, votre pubis, vos fesses, vos cuisses, vos mollets, vos pieds, au-dessus et en dessous jusqu'au bout de vos orteils. Puis vous allez visualiser un grand faisceau de lumière blanche éclatante. Éclatante comme du cristal. Qui pénètre par le sommet de votre tête. Doucement. C'est une lumière éclatante, comme si elle était produite par des dizaines d'ampoules halogènes. Elle passe par le sommet de votre tête et fait disparaître sur son passage toutes les zones sombres ou ternes de vos chakras. Le chakra coronal situé au sommet de la tête. Le troisième œil qui se trouve entre les deux yeux. Le chakra de la gorge. Le chakra du cœur. Le chakra du plexus solaire situé derrière le nombril. Le chakra sacré qui se trouve quelques centimètres sous le nombril. Et le chakra racine situé à la base de la colonne vertébrale. Voyez tous vos chakras s'illuminer et s'équilibrer, prenant des dimensions identiques. Parfaite. Puis vous allez un petit peu voyager maintenant. Et vous allez imaginer que vous vous trouvez dans le plan astral. Et que vous vous déplacez en volant dans les airs. Le ciel, constellé d'étoiles, s'étend en arrière-plan tel un drap de velours bleu nuit. Des grilles de différentes couleurs constituées de rayons luminescents entrecroisés, ressemblant à des tubes de néon, se déploient tout autour de vous. Ces grilles comportent des ouvertures carrées à travers lesquelles il vous est aisé de voler. Imaginez que vous vous propulsez vers une grille d'un rouge étincelant. À mesure que vous vous rapprochez des rayons de lumière rouge, vous pouvez entendre le son qu'émettent leurs pulsations électriques. En volant à travers la grille, vous sentez toutes les préoccupations de votre moi inférieur relatives à l'argent, à la sécurité et à la carrière disparaître sous l'effet des pulsations de lumière rouge. Vous décidez alors de voler vers une grille orange vif. Et lorsque vous passez à travers un carré de lumière éclatante, vous sentez que vous abandonnez en chemin toutes vos préoccupations concernant votre corps. En vous retournant, vous constatez que toutes vos inquiétudes, vos craintes, ou vos dépendances physiques
sont restés accrochés à la boîte orange que vous venez de traverser. Tous les soucis liés à votre corps physique ont maintenant disparu. En poussant un grand soupir de soulagement, vous vous retrouvez en train de voler à travers une grille d'un jaune resplendissant. Vous voyez et sentez les rayons de lumière jaune dissoudre toutes les peurs et les préoccupations qui subsistaient en vous en ce qui a trait au pouvoir et à la domination. Comme un paillasson géant, les lumières raclent tous ces sédiments et enlève tout le poids qui pesait sur votre âme. Ensuite, vous volez dans et autour de superbes grilles d'un vert brillant. Vous prenez plaisir à voler tout autour de ces carrés qui émettent des pulsations, vous émerveillant de vos talons aériens. Tandis que vous traversez chacun des carrés verts, vous sentez votre cœur se gonfler sous la chaleur de l'amour universel. Observez les grilles vertes. Raclez toute peur liée à l'idée d'être aimé ou de donner de l'amour. Continuez à tournoyer. Vous vous sentez si vivant, en pleine forme, que vous traversez maintenant les mailles vibrantes d'une grille bleu clair. Vous entendez une musique céleste émanant des carrés qui vous donne envie de chanter. Au moment où, avec un grand enthousiasme, vous joignez votre voix à la musique provenant de la grille bleue, vous sentez votre gorge s'ouvrir complètement sous l'effet de la joie que vous procure cette pleine expression de vous-même. Après avoir effectué quelques joyeuses pirouettes en vol, vous arrivez au-dessus d'une grille bleue cobalt qui attire votre attention. Vous êtes époustouflé par la beauté de ce bleu électrique qui se détache de l'arrière-plan velouté du ciel nocturne. Vous encerclez, puis traversez la grille bleue cobalt. Et vous sentez aussitôt tous les blocages qui nuisent à votre capacité de clairvoyance se dissoudre sous l'effet de la force magnétique émanant des carrés. Vous placez votre visage très très proche d'un des tubes de couleur cobalt et vous vous abandonnez à contempler leur superbe et profonds reflets bleutés. Le bleu est animé d'une pulsation régulière et vous sentez votre troisième œil s'ouvrir pleinement au rythme de ces pulsations. Rempli de joie, vous continuez à tournoyer dans les airs jusqu'à ce qu'un groupe de grilles de couleur
pourpre royal attire votre regard. Les tons de pourpre profond et brillant qui illuminent les tubes de néon sont époustouflants de beauté. Vous vous dirigez alors vers les grilles pourpres et traversez les mailles carrées. Vous remarquez sans doute que vous vous sentez de plus en plus légère, léger, de plus en plus confortable, comme si vous retrouviez enfin un sentiment de paix et de liberté que vous n'avez pas éprouvé depuis de nombreuses années. Vous vous sentez merveilleusement bien, prêt à avancer dans cette journée qui s'annonce, cette fin de semaine. Vous vous sentez en forme et vivant. Vous êtes à présent complètement rechargé spirituellement. Avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos trois capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Et me dire comment ça s'est passé pour vous. Alors, est-ce qu'il y a des couleurs que vous avez plus ou moins bien vues? Le principe de cette méditation, c'est de la faire. Mais encore une fois, et là on va revenir à la sophrologie, c'est faire cette méditation sans jugement ni a priori et surtout sans interprétation. L'objectif là, c'est de ne pas mettre du tout de mental. C'est de vivre les choses, de les faire, de la faire, parce qu'elle est hyper puissante et elle fait beaucoup de bien. Et se laisser porter par le protocole et voir. Super, mais dérangé par le téléphone. Ah, entre le téléphone, les travaux dans l'immeuble. Bleu cobalt exceptionnel. C'est-à-dire quoi, Nadia? Tu l'as vu plus que les autres? Raconte un peu. Eva. Evaline. Très bien, merci. Merci Julie. Le jaune orangé est celle qui me procure le plus de bien. Plexus solaire. C'est le jaune orangé ou c'est le jaune? Je t'en prie, Cécile. Ah, puissant et en relief. Ah, si tu commences à voir les choses en 3D, c'est fort. C'est chouette. Quel apaisement, tombé pile au bon moment. Ouais, tant mieux. Ouais, Isabelle, ne nous fais pas un accident sur la route.
tu la referas tranquillement. Celle-ci, elle est vraiment à faire et à refaire. Et même si vous n'accrochez pas forcément la première fois, refaites-la. Refaites-la encore et encore. Eva, je pense que c'est la perceuse, pas le chien. Pourquoi ? Alors, j'ai loupé un truc peut-être, attendez. Pourquoi vous dites ça ? J'aime bien savoir. Oui, enfin voilà, j'ai une perceuse en permanence, c'est formidable. Je vous souhaite une excellente journée. Pratiquez, lisez, faites du sport. Bougez un maximum. D'accord ? Tenez bon et on se retrouve la semaine prochaine. Et normalement, si tout va bien, on pourra faire du sport ensemble. Je vous prépare une petite surprise avec une collègue du Clé qui a un super cours que je vous présenterai la semaine prochaine. C'est la surprise. Attendez. J'ai visualisé des lieux pour chaque chakra comme des portails avec des destinations. C'était dingue. Il n'y a pas besoin de boire ni de fumer quoi que ce soit pour faire pour aller très loin avec cette méditation. Elle est top. Annick, très très fort, merci, avec plaisir. De rien, Nadia. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. D'accord ? Et surtout, gardez la banane, la patate, tous les fruits du verger. Voilà. On va pas se laisser emmerder, hein, par la grisaille ambiante. Non, non, on ne se laisse pas envahir par tout ça. Non, on garde espoir et ça va bien se passer. Allez, je compte sur vous. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Passez une bonne, très bonne fin de semaine et bon week-end.